Un autre, là! Ouais! Un courant ascendant! Wow! Je commence à choper le truc! Je vais prendre de la hauteur. J'adore quand il y a du vent. Miles, je suis en train d'arriver au raft. T'es en route? Super. C'est pour qui le babysitting? MJ a appris que Scorpion va être transféré à Ravencroft. Le centre est à court de ressources pour l'encadrer. Et que l'homme sable partage sa cellule. Il faut jamais sous-estimer Scorpion. Je serai là. Salut les amis, ici Danica. Vous écoutez le DaniCast, le podcast le plus populaire du moment à New York. Accroche-toi à ta moustache, Jonah, j'arrive pour te piquer. Je tiens d'abord à saluer les nouveaux auditeurs. Le DaniCast, c'est votre rendez-vous quotidien avec de vraies histoires racontées par de vraies personnes. Vous avez entendu l'histoire de Dennis, ce conducteur qui a continué à faire fonctionner tous les métros de la ville pendant l'attaque de l'homme sable? L'accès à la cabine de contrôle principale a été coupé, mais il est arrivé à se reconnecter au réseau depuis son smartphone pour éviter une interruption du trafic. Des milliers de gens ont été évacués du Queens et de Brooklyn grâce à lui. Dennis, toute l'équipe du DaniCast te salue. Continue comme ça. Salut. Content que t'aies pu venir. J'arrive à temps, on dirait. T'arrêtes pas, Gargan. Paré pour le deuxième. Le deuxième? Je croyais qu'on surveillait que Scorpion aujourd'hui. Martin Lee. Miles. C'est bon. Ça va aller. C'est pas la saison des feux d'artifice? Il faut aller voir.
Sean, tu penses à la même chose? Surveillez bien les prisonniers! Je prends la gauche! Protégez le bateau! Sur ma position! Je savais que j'aurais dû faire des étirements. Ta tête fera un superbe trophée. Oh, elles sont tranchantes, ces lames. Vous venez de loin, on dirait. Moi, c'est Spider-Man. Au cas où vous seriez pas au courant, ces types sont ultra dangereux. On a vraiment intérêt à les garder en prison. Ne mêle pas de tout ça. T'as rien à voir là-dedans. D'accord, on annule le cocktail de bienvenue alors. Tu n'es pas si fort que ça. Attention à ces toiles. Ces types, vous avez déjà l'air assez nombreux dans votre club. Tu le verras, et ce sera un moment glorieux. Je ne raffole pas de ce genre d'annonce. Vous êtes quoi? Des mini-vultures? On n'était pas au courant que le rat se déplaçait vite.
c'est sans importance. Il faut vite qu'on neutralise ces gars. Peu importe qui ils sont. Qu'est-ce qui se passe? Je vous sors de là! Restez calme! Je vais trouver une solution! Accès électrique. Ça m'a l'air prometteur. J'espère que Pete a retrouvé Scorpion. Ces gens n'ont pas conscience du danger qu'ils vont libérer. Est-ce que vous êtes toujours là? Je suis là! Je vous le jure! Allez, système de secours. Montre-toi. Ouais, trop cool. Le niveau de l'eau monte. Faut absolument que je trouve une autre sortie. Il y a un fort courant électrique par ici. Même moi, je peux le sentir. Faut pas que ce garde soit touché. Il va se faire carboniser avec tout ce courant électrique. Je vais vous demander de vous éloigner de l'eau, d'accord? Il faut que je draine l'énergie en trois. Six mille fois petit! Je vous ai sauvé! Vraiment? Scorpion en visuel. Super-héros.
autres abandonnent. Abandonne. 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 Ice. Moi. Verrouillé.
choisir une autre ville. Poissez-le. Je crois qu'il en reste plus. J'ai besoin de ton aide!
moins, les premiers secouristes sont là. La police cherche encore, mais il n'y a aucune trace d'eux. Ça donne quoi en amont ? Il y a que des décombres ! C'était qui ces types ? Je sais pas, mais ils sont à la pointe de la technologie. Sans compter qu'en plus, ils ont Scorpion, Ellie. Hey, quel que soit leur projet, on les trouvera et on les arrêtera. Ouais. Pete, quand j'ai vu Lee sur ce bateau, mes pouvoirs, il... Tu crois que son énergie s'est mélangée à la tienne ? Franchement, je sais pas. Mais ça a l'air... instable. Je sais pas d'où vient ton bleu électrique, mais ça nous a sauvé la vie tout à l'heure. Hey. On remettra Lee dans sa cellule. C'est promis. Me mets pas un vent, s'il te plaît. Tu vois pas que je me prends la tête ? Interdit de bouder. Allez ! Change rien, Pete. Tiens le coup, Miles. Salut Miles. J'avais pris l'habitude de tomber sur ta messagerie. Je t'ai envoyé une adresse. Ça te dit de venir ? Salut, oncle Aaron. Alors, t'as pas le temps de venir voir ton oncle ? Non, je voulais juste te laisser respirer après ta libération. C'est pas la peine. Et puis, on a des trucs à régler. Ah ouais ? À plus tard, petit gars. Va lui rendre visite, Miles. Ce sera fait. Après, on se concentre sur ceux qui ont enlevé Lee et Scorpion. J'ai l'impression qu'il y a un gros coup qui se prépare. Je peux pas repousser indéfiniment. Faut que j'aille voir oncle Aaron. Chaque journée, son lot de désastres pour notre ville bien-aimée. Et devinez qui sont les responsables ? Ce qui ne devait être qu'un banal transfert de prisonniers a tourné au fiasco. À cause de qui ?
Des Spider-Man, évidemment. Ils se sont sentis obligés de se mêler de ce qui ne les regardait pas. Et un groupe de mercenaires inconnus en a profité pour détourner le véhicule transportant les super-vilains Scorpion et Mister Négative. Ah, on ne sait pas grand-chose sur ces nouveaux énergumènes, si ce n'est leur penchant pour les pots de bêtes. Mais une chose est sûre, les Spider-Man n'ont rien fait pour les arrêter. Si les forces de l'ordre avaient pu faire leur travail correctement, ces criminels seraient encore derrière les barres. Notre programme de fidélité. Alors, la photo est réussie. Il faut la publier. Oh, fantastique. Bon, j'avoue, la première fois que j'y suis allé, c'est à cause des articles sur ses nouveaux parfums. Mais c'est pour son houmous traditionnel que j'y suis retourné. C'est pas pour rien que certaines recettes sont devenues des classiques. Riche, moi aussi je profiterai de ce décor. J'aurais aussi peur d'envoyer mes balles hors du toit, mais j'imagine qu'ils peuvent se le permettre.